Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les achats que j'ai fait pendant le Black Friday. Alors certaines boutiques peut-être ont continué le Black Friday parce que généralement ça continue après le vendredi. D'ailleurs ça avait commencé bien avant. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc déjà la première boutique c'était la boutique Créa Scrap by Seal. J'ai fait une toute petite commande, mais malgré ça, j'ai eu deux cartes de Project Life. Hop là. Donc, c'est de la marque, enfin, celle-ci en tout cas, c'est de la marque Piatek Tri Machin, je sais pas trop quoi. Alors, elle est très jolie, mais bon, ça, voilà, on a la marque en plein milieu. Par contre, derrière, elle est magnifique. Hello Creativity. Et après, on en a une toute simple. Voilà, donc moi, je fais pas de Project Life, mais bon. C'est toujours sympa, toujours une très gentille attention. Et donc, j'ai commandé ceci. Alors, j'ai pris les stickers. Alors, je sais plus si c'est Crate Paper ou Pebbles qui a sorti avec cette collection-là pour Noël, où vous avez en fait des lignes rouges et blanches pour les lettres. Alors de base, cette planche-là était à 6,90€. Alors par contre, je trouve qu'elle la vend beaucoup plus cher que sur d'autres sites. Mais par contre, avec la réduction, elle m'est revenue qu'à 3,25€. Donc là, pour le coup, malgré que de base le prix était plus cher, je l'ai payé quand même moins cher. Enfin, je crois. Donc voilà, je la trouve très sympa pour Noël. Je trouve que c'est juste parfait. De toute façon, je crois que ça fait partie d'une collection de Noël. Enfin voilà. Et ensuite, j'ai pris les embellissements acryliques de chez Florilège Design. Donc, ça va avec la collection Christmas Cocooning. Je vais vous les montrer. Alors, c'était la seule boutique qui les avait. Donc, alors par contre, c'est 8€ et il y a 20 embellissements dedans. Mais ils sont juste magnifiques. Je vous avoue qu'ils auraient été moins chers. J'aurais pu craquer pour d'autres. Pour un autre sachet, mais voilà, c'était quand même 8€, donc hop, je pense que vous les voyez bien comme ça. Donc on a les fameux cadres qui existent en tampon, là ça pareil, il y a Epi qui commence à crier, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est toujours flippant ça. Je sais pas si vous ça vous le fait, si vous avez un chien qui d'un coup aboie alors que vous êtes seul chez vous et qui se met à aboyer. Voilà, voilà. Hop, regardez-moi donc ces beautés. Donc, ils sont en acrylique. Alors, moi, j'aime beaucoup les embellissements acryliques. Donc, je trouve ça top. On a les cadres. On a, alors ça, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je suis pas dans les fleurs, mais je trouve ça joli. On a le petit nounours ici. On a Hippie. Désolée. On a un petit renard, on a des petits mots. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais ici. Mais attendez, je reviens. Voilà, donc je reprends. Donc je ne sais plus ce que je disais, mais enfin oui, voilà, j'en étais aux mots. Voilà, là ici on a meilleurs vœux. Donc en fait, vous avez plein de choses magnifiques. Là, regardez-moi ça. Petite tasse de chocolat chaud. Enfin, je les trouve vraiment très jolies. Et voilà, c'est dommage que le prix soit de 8€. Alors, je suis désolée, mais j'ai la crève. Alors, si je renifle un petit peu, vous m'envoyez désolée. Mais voilà, les embellissements comme ça, moi, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous, c'est votre truc aussi. Moi, perso, je trouve ça très joli dans une création. Je trouve que bah, ça change... De matière au lieu du papier ou de la mousse ou donc voilà. Ensuite j'ai commandé sur le site de Variation Créative. Alors c'est la première fois que je passais commande chez eux. Et pourquoi j'ai passé commande? Pour principalement de la colle. J'ai commandé alors on m'a conseillé cette colle-ci, la Tacky Glue. Donc deux personnes m'ont conseillé celle-là, elles en sont fans, donc c'est Marine et Pascal. Donc je me suis dit, excusez-moi, je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. Et en fait sur le site de Variation Créative, ça valait le coup, parce que pendant le Black Friday, vous aviez frais de port offert à partir de 15€ de commande,
Donc, des promos sur les produits, plus 25% de la totalité de votre panier. Donc, comment vous dire que ça valait vraiment le coup? Donc, j'ai pris celle-ci, donc c'est l'original. J'ai pas voulu non plus trop m'aventurer parce qu'il y en a plein, en fait. Donc, j'ai pris celle-ci et j'ai pris la recharge, enfin la recharge, le gros pot. Pourquoi? Tout simplement parce que au prix où il était, ça valait plus le coup de prendre que ça. Mais comme je n'avais pas de contenant, j'ai pris celle-ci. Le petit hic qu'il y a eu, c'est que le couvercle s'est un petit peu dévissé. Donc j'ai nettoyé au mieux. Donc voilà, c'était pas très bien serré. Donc ça a coulé dans le carton. J'espère que j'ai. Ouais, voilà, j'ai nettoyé au mieux. Bon. Enfin bref, ça va, il n'y en a pas beaucoup qui est parti, mais j'ai pas en fait que ça colle. Je vais essayer de mieux nettoyer avec une éponge et un petit peu d'eau. Enfin bref, donc du coup j'ai pris ce grand format là, donc pour moi ça va être une recharge de celle-ci. Et j'ai pris celle-ci, elle m'intrigue beaucoup. En fait, c'est la super sick Takiglu. Et en fait, elle va me servir, enfin de ce qui est noté, donc je vais m'en servir comme tel. C'est pour coller, ils disent, les objets difficiles à tenir. Donc je me dis, pour les petits embellissements bois, pour ceci, ça va être très pratique si ça fonctionne bien, mais après je pense que ça va fonctionner. En plus, le côté qui est cool, c'est qu'elle sèche transparente. Donc ça, c'est vraiment top. Et je me dis, pourquoi pas, si celle-ci, alors je ne sais pas du tout si c'est une colle qui est forte, qui est, voilà, parce que moi, de base, j'utilisais celle-ci pour coller mes pages d'album. J'en suis très contente. Mais chez FDECO, il faut, je crois, commander 80€ pour avoir les frais de port gratuits. Et chez eux, actuellement, j'aurais juste besoin de colle. Donc, si vous voulez, je n'ai pas commandé 80€ de colle. Donc, je vais tester celle-ci. Et celle-ci, je pense que ça peut être pas mal. J'ai 236 ml, donc voilà, je pense que ça va être... Je vais tester, j'ai hâte de la tester celle-ci. Et j'ai pris, parce qu'il était en promo également, hein, tous les articles étaient en promo, j'ai pris ce set de dies et tampons, donc j'en ai déjà eu un dans une commande que j'avais faite avec le bon d'achat que Pascal m'avait fait pour mon anniversaire. Et en fait, donc vous avez deux dies, un tampon. Les deux dies peuvent s'assembler ensemble et c'est le dies et le tampon peuvent s'assembler ensemble. Donc je trouve le principe très bien. Donc là, c'est le mot love, mais il y avait d'autres mots. Et de base, ça c'est 9,90€ et là, il m'a coûté 6€ et quelques. Donc très très bien pour mon porte-monnaie. Désolée. Et ensuite, j'ai commandé sur La Fourmi Créative. Alors, j'ai pris ce set de tampons dies. Donc, je le voulais depuis longtemps, celui-ci, mais à chaque fois, pareil. Hors stock, que ce soit sur n'importe quelle boutique, sauf sur Variation Créative. Mais du coup, entre-temps, je l'avais commandé. Donc, voilà. Donc, vous avez le dies, le tampon qui va avec. Vous avez ici un tout petit tampon. Vous avez hiver et là, vous avez de la magie dans l'air. J'ai fait un test et je suis encore plus ravie. Déjà, je le trouvais très joli, mais il est juste parfait, parfait, parfait. Très facile à découper en une fois. Et le tampon, au départ, je me suis dit, mais ça va être compliqué de recaser les feuilles, enfin tout ça. Et en fait, très facile à tamponner. Enfin, moi, je le trouve juste super joli. Vraiment, vraiment. J'aime beaucoup. Vous me direz, sinon je ne l'aurais pas pris. Ensuite, j'ai pris cette planche. Alors là, vous allez rien voir, mais je vous ai fait un test. C'est la plaque d'embossage donc de chez Florilège Design. Et elle s'appelle Mur de cadre. Donc, à défaut d'avoir le tampon, j'ai pris la plaque. Et ma foi, j'ai fait un test. Et j'en suis plutôt contente. Je pense que là, vous verrez bien. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier de fond que j'avais déjà préparé à l'avance. Je l'ai embossé. Et ensuite... J'ai pris cette encre-là, la Memento Angel Pink, et je suis venue en fait, oh je suis désolée, tout simplement frotter en fait ce qu'il y avait en relief. Et parfois ça va à côté, mais je trouve que voilà, le rendu il est vachement sympa. J'ai fait une carte de Noël comme ça et je trouve que c'est sympa. Et donc voilà, ça m'a foncé un petit peu mes cadres. Et vous voyez là, ça fait encore plus foncé, mais quand elle sèche, elle s'éclaircit. J'ai été très déçue en fait de cette teinte, mais là je trouvais que
Je voulais pas quelque chose de trop foncé et avec le fond que j'avais, c'était pas mal. Donc voilà ce qu'il rend. Donc moi j'aime beaucoup. Ensuite, alors là il y a deux articles qui arrivent et c'est à cause de Pascal. J'ai pris cette planche de tampon, donc des papiers de pendeur, tout simplement parce qu'elle a fait une création avec cette planche. Elle a fait deux créations. Il me semble qu'elle a utilisé ça, ça, ça. Et j'ai un doute pour le family. Mais ces trois-là, je suis sûre. Et c'était juste magnifique. Donc, je ne connaissais absolument pas cette marque. Et bah voilà, elle est juste très, très, très jolie. Le feuillage ici, enfin sur ça. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son Instagram. C'est Pascal Roblet. R-O-B-L-E-T. Alors, je dis son nom hein, parce que tout simplement sur... sur Instagram, c'est avec son nom de famille. Et elle fait partie de la DT de Béatrice Garny et de la boutique Sibella Scrap. Si je dis pas de bêtises. Mais normalement, c'est ça. Et vous verrez, ses créations, c'est juste à tomber. Enfin, moi, je suis fan. Donc, Pascal, je ne te remercie pas. Et ensuite, alors là, c'est le gros coup de cœur pour cette planche. Ça fait aussi très longtemps que je la veux. Ça fait deux fois que je demande à Pascal, en fait, de m'envoyer des tamponnages. À chaque fois, elle le fait parce que tout simplement, elle était en rupture de stock. Et là, ça y est, Pascal, c'est fini. Je n'ai plus besoin de m'en faire. Je l'ai. Donc, c'est de Chou & Flower et c'est des clears qui s'appellent Fleurs d'automne. Donc, c'est la collection Brin d'automne, si je dis pas de bêtises. Et en fait, la plaque, elle est juste, mais juste super grande. Franchement, elle est à tomber. Par contre, il y a 1, 2, 3, il y a 4 tampons, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Celui-ci, celui-ci et les deux petits carrés là. Je ne sais pas trop. J'ai cherché, mais je ne sais pas. Donc, Pascal, dis-moi comment toi tu t'en sers, si tu t'en sers ou pas. Mais moi j'adore tout ça. Là, les fleurs ici, j'adore. Ça, je crois que c'est fleurs de coton, mais je ne suis pas sûre. Je vous dis, je ne suis pas calée du tout dans les plantes, tout ça. Mais voilà, on a des petits mots au naturel, échantillon, cueillette du jour, trouvaille du moment, parfum de saison, donc voilà, voilà. Et d'ailleurs, celle-ci, on a couleur de saison et merveille de la nature, et du coup, pour moi, ça va à toutes les saisons. Bien qu'ici, on a automne tout en douceur, mais pour moi, on peut l'utiliser autrement. Ensuite, j'ai pris, là, c'est une commande 100% française, hein. Parce que je pense que papier de pendant, c'est français. Je vous avouerai, j'ai un doute. Enfin bref. C'est une marque que je connais pas. Donc, c'est vraiment... Là, c'est du test. Ensuite, j'ai pris donc les Dots & Co. de chez Florilège. Donc, ce sont des pastilles. Donc, c'est des enamel dots, hein, tout simplement. Dorés. Et il y avait également argenté. Mais seuls les dorés étaient disponibles. Et ils mettent que ça va avec la collection de Christmas Cocooning. Pourquoi pas, après, voilà. Je les ai prises parce que, en ce moment, pour Noël, moi, je suis dans le doré. Et je me suis dit que c'est vrai que ça allait très bien avec, hein, forcément. Et comme je souhaite faire... Là, je vais pas l'ouvrir. Oups là. Comme je souhaite faire un album de Noël avec la collection de Florilège, j'ai repris un kit de papier. Donc, je vais pas l'ouvrir parce que je pense que maintenant, vous l'avez vu en long et en large. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez les papiers qui sont ici. Voilà, et je me dis que comme je veux faire un album avec, je voudrais faire des cartes de Noël avec, je me dis qu'un deuxième kit, ça peut être pas mal. Donc, je l'ai repris. Et en plus, voilà, il était aussi en promo. Tous les articles là étaient en promo, donc du coup, c'est cool. Donc, voilà mes petites trouvailles. Je suis super contente de mes commandes. Il y a juste eu le petit couac de la colle, mais voilà. Ah, c'est ça, je ne vous ai pas montré. Avec Variation Créative, donc vous voyez, la colle, en fait, elle a coulé là, donc je ne l'ai pas essuyée. Comme c'est en gros morceaux, là, j'attends que ce soit vraiment très, très sec. Enfin, je crois que ce l'est. Non, pas encore. Donc, j'attends que ce soit vraiment très, très sec. Et en fait, en cadeau, voilà ce qu'on a eu. Donc, ça va, c'est derrière. Et on a eu ceci. Alors, c'est dommage qu'elle soit pliée. Moi, je l'ai eu plié, en fait. Mais bon, après, c'est qu'un petit détail. Et en fait, on a plein de petites cartes comme ça. C'est sympa. Donc, voilà. Tout est en anglais, par contre. Mais voilà, les couleurs sont sympas. Ouais, c'est sympa, quoi. Bon, le petit cadeau, de toute façon, voilà, ça fait toujours plaisir. Malgré qu'il y ait eu ça. Mais honnêtement, j'en tiens pas rigueur. Je pense que je vais quand même juste envoyer un mail pour leur dire de... Juste faire attention de bien resserrer
les peaux en fait avant. Et en plus, moi, ce qui m'a choqué, c'est que hop, il n'y a pas de d'opercule en fait. On a directement la colle. Après, j'ai pas l'impression. Enfin, après, c'est rempli de colle vu que bah, il a voyagé. J'ai pas l'impression que l'opercule soit collé. Je sais pas, mais bon. Donc vous voyez, en fait, il a coulé et vous avez... Bon, je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de colle là-dessus. Voilà, je m'en fous partout. Donc je pense que je vais passer une éponge d'eau avec de l'eau dessus, bien chaude. Et comme ça, je vais essayer de nettoyer au maximum parce qu'en fait, si ça colle, je voudrais encore pouvoir l'ouvrir. Donc voilà, mes petits achats, j'en suis super contente. Ça, je m'attendais pas à ce que la planche soit si grande. Donc, une pure merveille. Enfin voilà, mais je suis vraiment contente de ma commande. J'ai envie de vous dire, ben, heureusement, parce que sinon ce serait dommage d'acheter des choses que nous n'aimons pas. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !